L'âne trop trop, l'âne trop trop, trop trop rigolo. L'âne trop trop, l'âne trop trop, trop trop rigolo. L'âne trop trop, c'est l'ami qu'il nous faut. Quand je serai grand, je construirai des maisons. Voilà, la maison est finie. Badaboum! Et moi, quand je serai grande, je serai championne de patinage. Et moi, je serai un grand footballeur. Trop, on ne joue pas au ballon dans la maison. Oui, maman. Allez jouer dehors, il y a Nana qui vous attend. Viens, Lily. Vroom, vroom, vroom. Nana, on joue à quand on sera grand? On est... Vroom, des aviateurs. Tu viens jouer? Allons-y. Vroom, vroom, vroom. Les aviateurs se préparent. Ils vont sauter en parachute. Et hop, je saute. Je saute aussi. Hop, je vole. On dirait que je serai explorateur. Je traverse un pont très dangereux. Attention, il y a des crocodiles en dessous. Je t'ai sauvé à temps. Merci, Trotro. Les explorateurs continuent dans la jungle. Attention, un lion. On est poursuivi par un lion. Youhou! On dirait qu'on serait des petits ogres et qu'on irait tout manger. Aujourd'hui, je ne peux pas aller dehors. Mais je m'ennuie un peu, moi. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Jouer de la musique? Non, pas aujourd'hui. Construire une maison? Non, j'en ai déjà fait une hier. Regarder un livre? Non, je n'ai pas envie de lire pour l'instant. J'ai envie... Je sais! J'ai envie de faire de la peinture! Voilà mes crayons de couleur, mon pinceau, ma boîte de peinture... Ah, le voilà, je l'ai trouvé. Je vais chercher un petit peu d'eau pour mettre dans mon pot. Bon, qu'est-ce que je vais dessiner? Pourquoi pas un bonhomme? D'abord la tête. Parfait. Maintenant, les yeux. Oh, les beaux yeux. N'oublions pas les oreilles. Elles sont un peu grandes. Et voilà le nez. Oh là là, il est trop long ce nez. Mon bonhomme est un peu raté. Mais ça fait un magnifique éléphant. Oups, oh là là, quelle grosse tache. J'ai oublié de mettre mon tablier. Je sais, je vais nettoyer tout seul. Frotte, frotte et disparaît, petite tache. Elle est de plus en plus grosse. Je crois qu'elle ne veut pas partir.
qu'est-ce que je vais faire? Mais elle n'est pas si vilaine cette tache. C'est même assez joli d'avoir de la couleur sur son t-shirt. Elle ressemble au soleil. Ou plutôt à un tigre. J'ai une idée, je vais la décorer. J'agrandis un peu les oreilles. Je place les yeux. Je lui mets des rayures. Et je n'oublie pas le nez. Ni les moustaches. Ni les dents. Waouh ! Je n'ai jamais réussi un si beau dessin. Je vais le montrer à papa et à maman, ils vont être étonnés. Papa, 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 tu as vu mon t-shirt? Oh, superbe ce tigre Trotro. Tu as dessiné sur ton t-shirt Trotro? Oui, j'ai décoré ma tache en tigre. Oui, c'est vrai qu'il est beau. Et si toi, maman, tu faisais une tache, je la peindrais en jolie girafe. Vroom, 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 vroom. Allez, nounours, maintenant on fait un tour de voiture. Vroom, vroom. Oups. Vroom. Dis-moi, Trotro, vroom. Tu pourrais peut-être penser à ranger tes affaires. Ah, mais c'est que je ne peux pas ranger. Ah bon? Et pourquoi? Parce que je suis trop petit. Je suis un bébé. Vraiment, moi je te trouve bien grand pour un bébé. Pour être un vrai bébé... Non, je dois trouver... Ah, un biberon de bébé. Ah, une tétine de bébé. Un doudou de bébé. Pour être un vrai bébé, il me manque encore une chose. Un is-o-is. Et c'est une poussette de bébé. Oh. Le problème avec les poussettes, c'est qu'on n'a pas le droit de les faire rentrer au cinéma. Au cinéma? Oh, mais tu as raison, quel dommage! Quand je pense qu'on voulait aller voir ce film de cow-boy tous ensemble. Un film de cow-boy? Ce n'est pas très grave. À la place, on ira au bac à sable. Oui, oui, le bac à sable, c'est mieux pour les bébés. Oh! Eh bien, mais qu'est-ce que tu fais, Trotro? Tu ne vois pas comme j'ai grandi? Regarde, tu as vu? Je suis un grand. Je ne suis plus un bébé. Je suis Trotro, le plus grand cow-boy de l'Ouest. Bonjour, papa. Bonjour, Trotro. J'ai faim. Alors, qu'est-ce que je vais manger ce matin? Des céréales? Oh, regarde, papa, il y a un cadeau. C'est un sifflet. Hein? Qu'est-ce que c'est? Mon nouveau sifflet. Trotro, finis d'abord ton petit déjeuner et tu pourras jouer avec ton sifflet dehors. D'accord, papa. Miam, miam. Attention, le train va partir. C'est fatigant d'être un train. Oh, un oiseau! Je vais lui répondre.
Monsieur l'oiseau, reste encore un peu. Bon, tant pis. Le train redémarre. Tiens, voilà Lily et Nana sur leur vélo. Stop, je suis Trot-Trot, le nouveau policier de la circulation. Passez. Stop. Hé, moi aussi je veux passer. C'est moi le policier, c'est moi qui décide. Passez. Trot-Trot, on peut jouer avec toi au sifflet? D'accord, venez, j'ai un jeu génial. C'est 1, 2, 3 sifflets. 1, 2, 3. Oh, 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 oh non! Tu as perdu, Lily. On continue, Nana. 1, 2, 3. Touché, Trot-Trot, j'ai gagné, j'ai gagné. Bien joué, Nana. On refait une partie? D'accord, Trot-Trot. C'est moi qui ai gagné, c'est à moi de faire le 1, 2, 3 sifflets. Non, c'est mon sifflet. C'est moi qui siffle. Si tu ne prêtes pas ton sifflet, Trot-Trot, nous, on s'en va. Attendez! Vous pouvez faire la course et moi, je vous donne le départ avec mon sifflet. D'accord, Trot-Trot. Attention, à vos marques. Prêt? Partez! Revenez! La prochaine fois, je vous prêterai mon sifflet. Hein. Papa, vite, papa, vite! Je veux jouer avec mon nouveau jeu! Va chercher le tuyau, Trot-Trot. J'y vais! Tu peux ouvrir le robinet, Trot-Trot. Oh. Oh. Ah, ha, ha. Et hop, le vert, le blanc. À toi, monsieur le rouge. Vite, à la pêche. Oh, raté. Tu n'es pas gentil, le rouge. Je vais essayer le vert. Oh! Papa, papa! Qu'est-ce qui ne va pas, Trot-Trot? Les poissons, ils ne veulent pas se laisser attraper. Essaie d'être un peu patient, Trot-Trot. Et tu vas y arriver. Voilà. Oh. Comme ça. Ouais, un poisson! Deuxième. Et tout seul, celui-là. Oh, Trot-Trot, je peux jouer avec toi? Je suis très fort à ce jeu. Fais voir. Et voilà. Don, c'est ma canne. Hé hey. Je suis bête, moi aussi j'en ai un de jeu de pêche. Je vais le chercher. On fait un concours? D'accord, c'est moi qui vais gagner. Prêt? Partez. Un poisson. Un canard. Concours de pêche? Moi aussi, je veux jouer à la pêche avec vous. Attention! Ah! Lily, tu m'as fait rater mon canard! Et le poisson rouge! Ce n'est pas juste! Hé, Lily! Un seul jouet à la fois, sinon c'est trop facile avec ton épuisette! D'accord! Bon, on remet tout à l'eau et on recommence le concours tous ensemble. D'accord. D'accord. Trot-Trot, Lily, Boubou, venez goûter. Oh. Il y en a du monde dans la piscine. Ce sont mes poissons. Ah, ils ont invité plein de copains à goûter.
C'est quoi ce drôle de caillou? Toc, toc, toc. Ah! Eh! Mais c'est une tortue! Eh! Ne te sauve pas, madame la tortue! Hein? Maman, maman! Regarde, j'ai trouvé une tortue! Oh, elle est rentrée dans sa maison! Mais tu sais, c'est une vraie tortue avec une tête et des pattes à l'intérieur! Bien sûr, mon Trotro. Va prendre une feuille de salade dans la cuisine et donne-lui à manger. Allez, madame Tortue, sors! N'aie pas peur, je suis un gentil Trotro. Ah! C'est bon, hein? Attends! Elle ne va pas très vite, ta tortue nounours. Viens! Allez, on se promène! Oh, tu fais quoi, Trotro? Je me promène avec ma tortue, je l'ai trouvée tout seule. Elle est belle, mais elle ne va pas vite. C'est parce qu'elle transporte sa petite maison sur son dos, c'est fatigant. Je vais l'aider. Vas-y, mets-la derrière moi, Lily. Ah, oui, oui. Aucune tortue n'est aussi rapide que la mienne. Alors, tu es contente? Tu vas beaucoup trop vite, Trotro. Oh, elle est rentrée dans sa maison. Ouh, madame la tortue. Toc, 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 tu es là? Peut-être que maman va savoir quoi faire. Maman, ma tortue s'est enfermée chez elle. Elle ne veut plus me répondre. Peut-être qu'elle a envie de se reposer bien tranquillement. Relâche-la dans l'herbe et joue à autre chose. Aglaé! Aglaé! Où es-tu? Ah! Mon Aglaé! Mais c'est ma tortue! Non, c'est la mienne! Elle s'est sauvée de chez moi et je la cherche depuis ce matin. Merci de m'avoir retrouvé ma tortue, Trotro. Moi j'ai retrouvé la tortue de Nana! Moi j'ai retrouvé la tortue de Nana! Maman, elle m'a fait un bisou parce que j'ai retrouvé sa tortue! Trotro! Tu viens, on va faire la course, Trotro! J'arrive, Boubou! D'accord pour faire la course, Boubou. Je parie que j'arrive au pommier avant toi. Tu verras bien que non. 1, 2, 3, partez! Hé! Hey! Et hop! Et hop! Je traverse sans me mouiller. Et moi aussi, je traverse sans me mouiller. Enfin presque. Ça fait des guili-guili. Aïe, 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 oui, aïe, 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 oui. Ça pique. Et voilà, c'est encore plus facile en descente. Et si on se repose un peu, Boubou? Tu sais, Trotro, l'important c'est de bien respirer et de courir régulièrement. Trotro, Boubou, venez prendre votre goûter. Chouette, le goûter. Oh. Hé, hey, attends-moi, Trotro. Oh. On arrive, maman. Oh. Oh.
J'ai faim. Oh, oui. Bravo, Trotro. Cette fois, c'est toi qui as gagné. Ça donne faim de faire la course. C'est quoi, papa? J'ai rangé le grenier, tout ça c'est à jeter. Je vois quelque chose. Oh, mon canard! Je jouais avec quand j'étais petit. Mais tu es tout sale, il faut te laver. Tu es un beau canard maintenant. Viens, on va jouer dehors. Et roule, roule le coin-coin. Oh, j'ai une idée. Coin-coin. Coin-coin-coin-coin. Tiens, tiens, mais qu'est-ce qu'il y a dans le jardin? Maman est bien attrapée. Elle croit que c'est un vrai canard. On dirait qu'il y a un petit canard par ici. J'ai trouvé ce coquin de coin-coin. Coin-coin-coin. Coin-coin-coin-coin. Oh, ça fait un château rigolo comme ça. Coin-coin-coin-coin-coin. Coin-coin-coin. Coin-coin. Tu es un canard, Trotro? Coin-coin. Tu ne sais plus parler? Coin-coin. Et moi, je fais... Coin, coin. On va faire un orchestre, écoutez. D'accord. Chanson. Ouais, bravo l'oiseau. Oui, oui, bravo. Maintenant, il faut saluer le public. C'était l'orchestre, les amis de Trotro. J'ai bien dormi. Bonjour mes petits pieds. C'est rigolo de jouer avec ses pieds. On peut faire plein de choses. Aujourd'hui, je vais me servir seulement de mes pieds. Et voilà Nounours, le grand acrobate qui va faire une petite pirouette. Très bien Nounours. Et maintenant, une double cabriole. Magnifique Nounours. Je crois que tu es prêt pour le triple saut périlleux. Oui, bravo Nounours, quel acrobate! Et voilà, le numéro de Nounours est terminé. Bravo, bravo! Bienvenue dans le pays où l'on ne se sert que de ses pieds. Nounours, je vais faire ton portrait avec mes pieds. Et voilà ton portrait, Nounours. Oh, cette chambre a besoin d'un peu de rangement. Tu ne trouves pas, Nounours? Et hop, au garage. «
ce livre est très intéressant. Mais je n'ai pas le temps de le lire pour l'instant. Et hop, rangé. Ce ballon devrait être dans la caisse à jouer. Ouais, du premier coup, je suis un vrai champion avec mes pieds. Qu'est-ce que je pourrais encore faire avec mes pieds? Tiens, Trotro, voilà ton verre de lait. Regarde, maman, aujourd'hui, je fais tout avec mes pieds. Je vais boire mon verre en le tenant avec mes pieds. Trotro, je crois que tu vas faire une bêtise. Oh! Je te l'avais bien dit, Trotro. Ne t'inquiète pas, maman, je vais tout nettoyer. Même les bêtises, on peut les réparer avec les pieds. Papa rentre du marché. Bonjour papa. Bonjour Trotro. Je porte le panier, je porte le panier. Mais non mon Trotro, c'est beaucoup trop lourd pour toi. Par contre, je pense que tu peux porter ça. Papa! Tu la mangeras après le déjeuner, Trotro. Tiens, c'est pour toi. Oh, merci. Comme il sent bon. C'est très gentil. Oh, elle est très contente, maman. Hop! J'ai une idée. Si j'offre un bouquet à Nana, je suis sûre qu'elle sera aussi contente que maman. Il faut absolument que je trouve de belles fleurs pour Nana. Ah, voilà! Jolie marguerite, tu es la première fleur de mon bouquet. Et tu sens bon! Et hop, un beau coquelicot pour mon bouquet. Oh, la belle brindille! Allez, toi aussi, dans mon bouquet. Tiens, Lily a oublié sa pelle. Elle est jolie aussi. Je vais la mettre dans mon bouquet. Ah! Qu'est-ce que je pourrais bien mettre dans mon bouquet? Ça! C'est beau la petite brosse! Oh, le beau plumeau! Je sais ce qui va rendre mon bouquet encore plus gros. Excuse-moi, nounours, mais c'est très important, c'est pour Nana. Et voilà, le plus beau des bouquets. Oh, il faut l'attacher maintenant. Voyons voir là-dedans. Non, elle est trop grande. Non, non plus. Elle n'est pas jolie, non plus. Ah, voilà, celle-là, elle est belle. Voilà, Nana va être contente. Bonjour Nana. Bonjour Trotro. Qu'est-ce que tu caches derrière ton dos? Tiens Nana, oh, c'est pour toi. Pour moi? C'est un très beau bouquet Trotro. Je vais le garder toute ma vie. Merci beaucoup. Et la sucette aussi, tu veux la garder toute ta vie? La 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 la. La 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 la. Et voilà, 5 gâteaux. Maintenant, je vais décorer mes gâteaux. Lily, regarde tout ce que j'ai ramassé. Oh oui. On va bien s'amuser. Bonjour madame la fleuriste, je voudrais acheter ce joli bouquet. Il coûte un gâteau madame. Ce n'est pas cher, je le prends. Mmh.
Au revoir, Nana. Bonjour, madame la pâtissière. Miam, miam, vous avez de beaux gâteaux. Excuse-moi, Nana, je ne l'ai pas fait exprès. Vous jouez à la marchande? On peut jouer aussi? Oui, vous voulez être quoi comme marchand? J'ai trouvé quel marchand je vais être. Attendez. Moi, je ne sais pas quoi faire. Je peux faire des gâteaux? Oh non, trouve autre chose. C'est moi la pâtissière. Approchez, approchez, oyez, venez tous jouer au grand jeu du badabadaboum. Une partie pour un bouquet ou un gâteau. Moi, je veux faire une partie. Je te donne un bouquet. D'accord, tiens. Oui. Attends à moi, Bobo. Je te donne un gâteau pour jouer une partie. D'accord, tiens. C'est drôle. Je vais chercher des gâteaux pour jouer encore. Moi aussi, je vais te payer en bouquet. Je sais quoi faire. Ne bougez surtout pas. Où est-ce qu'il va? À moi, ce sera livreur. Pour vos livraisons rapides, mesdames. Voici Trotro, livreur express. Maman, je peux t'aider à tailler la haie? Mais ces grands ciseaux sont dangereux pour mon petit Trotro. Alors à quoi je peux t'aider? Va me chercher le panier pour ramasser les brindilles, s'il te plaît. J'y vais, maman. Moi, j'aime bien aider. Oh. Tiens, maman, je t'ai rapporté aussi ton chapeau pour le soleil. Comme tu es gentil, mon Trotro. Merci, tu m'as bien aidée. La 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 la, moi je suis un gentil, moi j'aide bien ma maman. Pauvre petit escargot, tout ce chemin pour arriver à la salade. Je vais l'aider. Voilà, tu es arrivé. Moi je suis gentil, j'ai bien aidé le petit escargot. Qui je peux aider encore? Oh, je crois bien qu'on a besoin de moi ici. Moi, je suis gentille, même avec les fleurs. Merci pour ce joli pétale, madame la fleur. Nana, tu veux que je te pousse? Oh oui, merci Trotro. Je vais très haut. Youhou! Oh oui! Merci Trotro. Merci beaucoup. C'est bien d'être gentil. On a des bisous. Oh! Voilà ton ballon, Lily. Merci. Tiens, Trotro, c'est pour toi. Miam, miam. C'est bon, le chocolat. Quand on aide les autres, tout le monde est content. Moi, je serai toujours un gentil Trotro.
Coucou les copains. Vous avez vu ma nouvelle trottinette? Ouais. Elle est belle. Oui, et avec elle, c'est moi qui vais le plus vite. Ce n'est pas vrai, une trottinette, ça va moins vite qu'un vélo. Non, tu as vu comment je vous ai doublé? C'est parce qu'on n'allait pas à notre maximum. On fait la course si tu veux, le premier qui fait le tour du jardin a gagné. D'accord, Boubou, tu es l'arbitre. Tu vas voir. 3, 2, 1, partez! Je vais faire une petite pause. C'est trop facile de battre Lily. Oh, la jolie fleur. Allez, c'est reparti. Ah. Oh, Lily est loin. J'ai le temps de faire un pâté de sable. Vite, je dois repasser devant. J'ai été si vite que j'ai le temps de faire un tour de toboggan. Youpi! Lily est encore loin. Je vais refaire un tour. Yahoo! Encore une fois. Oh non! J'avais oublié Lily. Vite, il faut que je la rattrape avant l'arrivée. C'est Lily qui a gagné! Non, ce n'est pas juste. J'étais en premier et puis je me suis arrêtée et... Je suis arrivée en premier donc, c'est moi qui ai gagné. C'est vrai, c'est elle qui a gagné trop. Oh non, on refait la course Lily? Non, ce n'est pas ma faute si tu es mauvais joueur trop. Venez les enfants, il y a du gâteau au chocolat. Le premier arrivé a la plus grosse part. Et cette fois-ci, je ne m'arrêterai pas. Vroom, 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 vroom. Allez, nounours, maintenant, on fait un tour de voiture. Vroom, vroom. Oups. Vroom. Dis-moi, Trotro, tu pourrais peut-être penser à ranger tes affaires. Ah, mais c'est que je ne peux pas ranger. Ah bon? Et pourquoi? Parce que je suis trop petit. Je suis un bébé. Vraiment, moi je te trouve bien grand pour un bébé. Pour être un vrai bébé... Non, je dois trouver... Ah, un biberon de bébé. Ah, une tétine de bébé. Un doudou de bébé. Pour être un vrai bébé, il me manque encore une chose. Et c'est une poussette de bébé. Oh. Le problème avec les poussettes, c'est qu'on n'a pas le droit de les faire rentrer au cinéma. Au cinéma? Oh, mais tu as raison, quel dommage! Quand je pense qu'on voulait aller voir ce film de cow-boy tous ensemble. Un film de cow-boy? Ce n'est pas très grave. À la place, on ira au bac à sable. Oui, oui, le bac à sable, c'est mieux pour les bébés. Oh.
Eh bien, mais qu'est-ce que tu fais, Trotrot? Tu ne vois pas comme j'ai grandi? Regarde, tu as vu? Je suis un grand. Je ne suis plus un bébé. Je suis Trotrot, le plus grand cow-boy de l'Ouest. Je décolle. Vroom, vroom, vroom. Et je me pose. Hé, Trotrot, pourquoi tu fais comme moi? C'est un jeu, on fait tout pareil. Ah oui, d'accord. Allez, suis-moi. Et hop, hop, et hop, 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 hop. À moi. 1, 2, 3. Pouette. 1, 2, 3, pouette. 1, 2, 3, pouette. 1, 2, 3, pouette. 1, 2, 3, pouette. 1, 2. À mon tour maintenant. Tchou tchou. Tchou 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 tchou. Tchou tchou tchou. Vous faites quoi? On fait tout pareil. Tu veux jouer, Lily? Oui. Attention au départ. Tchou tchou tchou. Tchou 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 tchou. Tiens, Trotrot, tu vas aller au potager cueillir quelques légumes. Ah oui, j'aime bien ça. Tu prendras pour la soupe une pomme de terre, 2 poireaux et 3 carottes. Tu te souviendras? Oui. 1, 2, 3, je vais au potager. 4, 5, 6, cueillir des légumes. 7, 8, 9, avec mon panier neuf. Bonjour, petit potager. Je viens faire des courses pour maman. Voilà les carottes. C'est difficile. Mais pourquoi tu ne veux pas venir, petite carotte? Comment fais-tu pour être aussi orange alors que tu pousses dans la terre? Et de une. Et de deux. Et de trois. Allez, j'en prends encore. C'est si amusant. Les poireaux, c'est rigolo. Ils ont une toute petite barbichette toute blanche. Celui-là, on dirait que c'est la barbe du Père Noël. Vous avez été bien sages, les enfants.
Je prends encore 2 poireaux pour faire les cheveux du Père Noël. Avec les pommes de terre, c'est la surprise. Tu es toute petite, toi. Peut-être qu'il y en a une grande là. Ah! Eh bien, petit gourmand, elles sont bonnes les salades de mon potager. Ça y est, j'ai ramassé tout ce qu'il faut pour la soupe de maman. Miam miam, la belle poire aux joues rouges. Ça, c'est pour Trotro. Aoum. Tiens, maman. Mais Trotro, tu as pris plus de légumes qu'il n'en faut pour la soupe. Ah, je sais, mais comme ça, tu pourras en faire plus. J'aime bien la soupe, moi. Réveille-toi, Trotro. On part en vacances tout à l'heure au bord de la mer. Non, j'ai encore sommeil. Je dois faire ma valise et toi, Trotro, ton sac à dos. Quand tu seras bien réveillée, choisis les jouets que tu veux emporter en vacances. Je les prends tous. C'est impossible, mon Trotro. Prends seulement les jouets qui tiennent dans ton sac. Lève-toi, Nounours. On part en vacances. Tu verras, Nounours. La mer est toute bleue, un peu froide, avec des grosses vagues. Et puis, il y a du sable. C'est très doux pour les pieds. Quand on sera sur la plage, je te ferai une petite piscine pour te baigner. Et moi, je vais demander à maman de m'acheter un filet pour pêcher les crevettes. J'aime bien les crevettes. Viens, on va choisir mes jouets. Pour faire des châteaux de sable, j'ai besoin de ma pelle, de mon seau et de mon râteau. Oh, mon canard jaune! Tu comprends, Nounours, il a peut-être envie de se baigner dans la mer. C'est plus amusant que dans la baignoire. Mon avion aussi, dans le sac. Ma locomotive. Voilà, j'ai fini. Et maintenant, mes petites voitures. Vroom, vroom. Oh là là, le sac est bien rempli. Et mes bouées? Je ne peux pas nager sans mes bouées. Il faut que j'enlève des jouets. Et voilà mes bouées. Je les ai trouvées. Mais comment faire pour tout emporter? J'ai besoin de mes voitures pour faire des routes dans le sable. J'ai une idée. Je suis sûre que maman l'a rangée là. Voilà, je l'ai trouvée. Tiens, Nounours, c'est toi qui porteras les petites voitures. Et voilà, Nounours, ton sac est prêt. Tu as fini, Trotro? J'ai choisi mes jouets et ils tiennent tous dans mon sac à dos. Regarde, maman. Bravo, Trotro. Tous tes jouets? Et Nounours, il a aussi un sac à dos comme moi. Pour partir en vacances, Nounours et moi, on a chacun son sac à dos. Hein? Qu'est-ce que vous cherchez? J'ai trouvé une belle bille. On regarde s'il n'y en a pas une autre. Une bille? Oh, tu me la donnes? Non, elle est à moi. C'est moi qui l'ai trouvée. Oh, je te l'échange contre autre chose si tu veux. J'ai ma boîte à secrets. Oh, je vais chercher la mienne. Tu me fais voir ce qu'il y a dans ta boîte à secrets, Trotro? Cette plume, c'est moi qui l'ai trouvée. Elle est jolie. Ça, c'est un cheval. Ça, c'est un coquillage. Je l'ai ramassé en vacances au bord de la mer. Et puis voilà 3 marrons.
mon sifflet. Et ça, c'est une bougie pour mettre sur la table. Oh. Et voilà mon savon à la fleur. Ça sent bon. Ah, tu me le donnes, Trotro ? J'adore quand ça sent bon. Non, donne, Nana. C'est à moi. Oh. Tiens, Lily. Je t'échange ta bille contre mes trois marrons. Mais ils sont vieux et pas beaux, tes marrons. Non, je veux ta bougie rigolote en échange. Ma bougie grenouille pour une bille? Non, ce n'est pas assez. Oh, attends, je sais ce que je vais te donner en plus. Oh. Et moi, qu'est-ce que je vais te donner en échange de ton savon qui sent bon? Voyons, voyons. Tiens, tiens, je te donne ça. Ça, mais à quoi ça sert? C'est pour les cheveux. Mais tu peux le mettre comme ça. Tu es très beau avec Trotro. Ah, tu trouves? Bon, d'accord, Nana. Tiens. Et hop, mon beau petit savon. Regarde tous mes secrets à moi, Trotro. Un porte-clé avec un lapin bleu. Une brosse pour me coiffer. Un miroir tout décoré autour. Oh. Je t'échange mon beau miroir contre ta grenouille. Non, Nana, c'est pour moi la bougie rigolote. Je l'ai dit la première à Trotro. Arrêtez, vous allez casser ma grenouille. C'est vrai, Nana, Lily l'a demandé avant toi. Tiens, je te donne ma bille et ça. Oh, la belle voiture jaune. Et si je te donne mon miroir décoré contre ton coquillage? Tu es d'accord, Trotro? Vroom, d'accord, Nana. C'est drôlement bien d'échanger nos boîtes à secrets. J'adore la tarte aux fraises. Je vois ça, Trotro. Je vais faire une petite promenade, Trotro. Tu veux venir avec moi? Non, papa, je préfère rester à la maison. Tu sais, aujourd'hui, Boubou vient jouer avec moi. Comme tu voudras. À tout à l'heure. Oh, à tout à l'heure. Maman, où est Boubou? Mais Trotro, Boubou ne vient pas tout de suite. Il arrive tout à l'heure pour le goûter. Va jouer un peu en l'attendant. Oh, je n'ai pas envie de jouer tout seul, ce n'est pas drôle. Il n'y a rien à faire dans cette maison. Le nouveau fauteuil à bascule de papa, je vais l'essayer. C'est rigolo de se balancer avec le fauteuil de papa. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour jouer dans cette maison? Ce tapis me semble parfait pour les galipettes. Je vais battre mon record. Et un, et deux, et trois. Oh, oups! Oh, j'ai presque fait une bêtise. Heureusement que j'ai une autre idée de jeu très amusant. Hop! Ah, voici un magnifique trampoline. Et hop, sur les pieds. Et hop, sur les fesses. Et hop, sur le dos. J'adore sauter sur ce lit. Et voilà une bonne cachette. Mais il n'y a personne pour me trouver. Trotro, oh, Boubou est là. Chic, Boubou est arrivé. Je reste cachée pour que Boubou me cherche. J'espère qu'il va vite me trouver. Trotro? Trotro? Où es-tu? Boubou! Tu m'as fait peur, Trotro! Quelle bonne cachette! Je connais une autre, Boubou. Suis-moi. Ça ressemble à une petite cabane. Oh, j'adore ta maison, Trotro. Il y a plein de choses pour jouer. Oui,
Dans ma maison, on s'y amuse toujours bien. Surtout quand il y a mon copain Boubou pour jouer.